est-il de l'accès au financement dans le secteur de l'entrepreneuriat en RDC? Madame, messieurs, bonjour. Telle sera la thématique abordée au cours de ces nouveaux numéros de votre magazine Actu Business. C'est au rendez-vous de l'entrepreneuriat, du management ainsi que du business dans son ensemble. Pour ce nouveau numéro, j'y reçois pour vous les CEO de Beto Group, mais aussi vice-président de la Commission nationale de jeunes entrepreneurs de la FEC, qui est la Fédération des entreprises du Congo, avec qui nous allons échanger. Monsieur Christopher, bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Lina et merci d'avoir donné cette opportunité. Comment allez-vous? Grâce sur grâce. Au rythme du pays, on va dire. Vraiment, vous êtes gracieux et je dois dire félicitations pour ces beaux cadres. Merci, merci. Et c'est l'opportunité de dire merci aussi à mes associés, mes partenaires, et évidemment l'équipe sans qui tout ceci ne serait pas possible. Alors, j'ai bien ici signalé que nous sommes au sein du restaurant Coucou qui nous reçoit en séjour pour ces nouveaux numéros de votre magazine Actu Business avec son CEO qui est là, Monsieur Christopher Moukoka, comme je l'ai dit tantôt. Alors, il y a une personne qui m'a dit pour demander à un businessman, à un homme d'affaires ou à un entrepreneur comment ça va, il faudrait plutôt dire comment évoluent les affaires. On va dire les affaires évoluent bien. Okay. Évidemment, les difficultés ne manquent pas, mais on n'a pas à se plaindre. Ça va. Ça va. La régulation avec l'administration, tout se passe bien. Ça va. Vous avez vu que j'ai accueilli ici l'association des handicapés qui est venue me réclamer une contribution sous forme d'impôt. Mais bon, ça fait partie des aléas de l'environnement dans lequel on est. On s'y accommode. Il y a un montant fixé. Ils obligent, comment ça se passe exactement? Bon, normalement, c'est une aide que les entreprises qui ont pignon sur rue accordent à différentes associations. Donc, il y a des handicapés, il y a des sourds-muets. Bon, il arrive des fois par excès de zèle que certains puissent venir vous imposer un peu avec un petit peu de chantage dedans. Mais bon, c'est une affaire de discussion. On arrive toujours à trouver un bon. Écoutez bien qui finit bien dans ces cas. Alors, comme je l'ai dit tantôt, nous allons plus nous atteler sur l'entrepreneuriat avec l'accès au financement dans ces secteurs. D'abord, est-ce que ça existe? Oui, le financement, ça existe parce que la réalité, c'est que on a besoin d'argent, on a besoin de capitaux quand on veut monter un business. Seulement, ce n'est pas facile selon les types de financement que l'on vise. Donc, en fonction de vos questions, je voudrais vous donner plus de détails par rapport à ça. Alors, parlons précisément du secteur de l'entrepreneuriat dans notre pays. Comment jugez-vous d'abord ce secteur? Les financements, est-ce aisé? Il y a des problèmes? Comment ça se passe? Non, c'est problématique. C'est très problématique. On va dire, moi j'ai tendance à dire que l'environnement financier congolais a un retard de peut-être 50 ou 60 ans par rapport au reste du monde développé. La simple et bonne raison, par exemple, on n'a pas de marché boursier ici, il y a énormément d'instruments qui n'existe pas encore. Il y a quelques années seulement qu'on a l'assurance aujourd'hui et on a encore des produits qui peinent à vraiment remplir, à répondre aux besoins de tout le monde. Donc le problème de financement est là. Seulement, il faut réfléchir, quand on analyse ce problème, il faut regarder les parties prenantes. Dans les parties prenantes, il y a les entrepreneurs et il y a les investisseurs ou les financeurs. Alors il y a des problèmes de part et d'autre pour arriver à avoir un financement qui soit de qualité mais qui rassure aussi les gens. Parce qu'il faut dire qu'honnêtement, il n'y a personne qui a $1 million à gaspiller. D'abord, combien il y a un type, il y a un critérium en ce qui concerne les financements. Si oui, combien existe-t-il? Oui, oui, ça dépend. Donc, il y a plusieurs typologies qui varient aussi en fonction du niveau de l'entreprise. Okay. Quand on débute, on dit souvent qu'il y a ce qu'on appelle la love money. La love money, c'est l'argent qu'on trouve auprès de nos proches, amis, famille, etc. Ah, papa, je veux lancer un business, j'ai pas d'argent. Tosangi, c'est lio. Tosangi, ça. On met un peu ensemble, on commence. Ça, c'est la love money. À part la love money, il y a également les financements qu'on peut avoir au niveau de la banque. Alors là, c'est généralement quand on a un certain niveau, on fonctionne, on a des flux. On va voir la banque pour dire, ben voilà, j'ai besoin d'argent pour développer mon business, vous pouvez me donner quelque chose. Ensuite, il y a aussi banque, il y a aussi les microfinances. C'est la banque pour les petites boîtes, on peut appeler ça comme ça en résumé. Il y a aussi les fonds d'investissement qui peuvent apporter des capitaux. Il y a aussi les particuliers, par exemple moi, j'ai un peu d'argent, j'ai 10 000, 15 000 dollars qui ne font rien en banque. J'ai besoin d'investir dans une boîte qui existe, hein, je finance. Donc il y a toute cette typologie-là qui fonctionne et en fonction de la typologie que l'on choisit, on peut savoir si
quels sont les critères, parce que ça varie. Quand on va demander de l'argent chez papa, on ne va pas avec les mêmes arguments que quand on va demander de l'argent à la chez banque, par exemple. Banque. Ok, alors à entendre cette typologie, comment expliquer les difficultés rencontrées par les entrepreneurs dans le manque de financement pour la réalisation de certains projets? Oui, alors le problème se situe à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est l'entrepreneur lui-même. Souvent, quand vous parlez à un jeune entrepreneur, enfin un entrepreneur en général, surtout les jeunes, et vous leur demandez, vous avez besoin de combien? Ils ont du mal à vous répondre. À vous dire clairement, j'ai besoin de 5 000 $, j'ai besoin de 10 000 $, j'ai besoin de 15 000. Et quand ils arrivent à vous répondre, souvent, ils ont du mal à vous dire dans quoi ils vont affecter ça. Ils vont juste vous dire, j'ai besoin de 10 000 $. Oui, mais tu vas en faire quoi? Ah non, bon, je vais mettre dans les stocks, mais tu vas mettre combien? Quel sera l'impact sur ton chiffre d'affaires? Quel sera l'impact sur ta rentabilité? Tu pourras rembourser combien? En fait, il y a tout un ensemble de choses. Sur la question. Oui, qui n'arrive pas justement à répondre. Et du coup, un financier normal, un investisseur normal, qui, quand je dis normal, c'est-à-dire qui connaît les règles de base de ce métier, ben, il trouvera sa louche, il ne peut pas investir dans quelque chose comme ça. Donc il y a déjà un problème à ce niveau-là. De l'autre côté, il y a un problème au niveau des investisseurs. C'est-à-dire que vous prenez par exemple les banques, structurellement, les banques n'ont pas la vocation, n'ont pas les capacités pour financer des projets qui débutent. C'est-à-dire que vous êtes étudiant, vous venez de terminer les études, vous griffonnez un projet à 15 000 $, vous allez voir un banquier pour qu'il vous prête, il ne peut pas vous prêter. Ce n'est pas possible. Parce qu'en réalité, le banquier, il gère avec, il utilise l'argent des autres. Moi, j'ai un compte en banque, vous avez un compte en banque, vous déposez dans votre compte épargne. Vous n'aimeriez pas apprendre que votre banquier prend votre argent pour aller financer quelqu'un qui n'a encore jamais rien fait. Alors que c'est ce qui s'est fait. Donc, en réalité, ça se, vous remarquerez, en fait, le problème se situe à ce niveau-là, c'est que les banques financent des gens qui ont des business qui tournent déjà. Parce que quand ils viennent, ils vont vous poser la question, quel est votre flux de liquidité? Ils vont dire, vous gagnez combien par mois? Et quand on prend vos charges et vos revenus, il vous reste combien? C'est en fonction de ce montant qu'ils vont savoir s'ils peuvent vous prêter combien. Vous connaissez ce qu'on appelle la capacité de financement. Normalement, qui est habilité à financer? Aujourd'hui, bah, vous avez les banques, vous avez les institutions de microfinance, vous avez les particuliers qui peuvent financer, on ne peut pas leur interdire ça. Vous avez également les fonds d'investissement. Et l'État? L'État aussi peut financer, il le fait d'ailleurs à travers des programmes comme Cora, de la Banque mondiale à 100 millions, il y a d'ailleurs un deuxième volet qui va venir bientôt. L'État aussi peut faire, ça peut être sous forme de prêt, ça peut être sous forme de subvention, ça peut être sous forme de capital intégré dans l'entreprise. Comment expliquer qu'à ce jour, nous avons un ministère de l'entrepreneuriat, mais il y a ces problèmes qui persistent? On va dire que le problème est structurel par rapport au pays. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut résoudre en un mois, en deux mois, en trois mois. Les acteurs sont nombreux. Il y a l'État qui doit accompagner, il y a les entrepreneurs eux-mêmes, il y a les structures financières. Et comme je l'ai dit, on a des chemins manquants. Ici, on n'a pas beaucoup de fonds d'investissement, par exemple. Et les quelques fonds d'investissement qui s'intéressent à la RDC sont focalisés sur des business qui font plus de 100 000, 150 000, 200 000 $ de chiffre d'affaires. Et qui, pour ces jeunes entrepreneurs qui débutent, ils doivent se débrouiller. Est-ce que normalement c'est comme ça? C'est de cette manière-là que les choses devraient se passer? Non, non. Normalement, dans les pays qui sont assez développés, il y a ce qu'on appelle des fonds de capital risque, c'est-à-dire des gens qui mettent ensemble de l'argent pour investir justement dans des projets. C'est-à-dire quelqu'un qui peut terminer l'université mais qui a une bonne idée, qui est capable de pitcher devant ces gens-là, ben, on l'encourage et on le fait. Aujourd'hui, il y a des initiatives qui tendent à aller dans ce sens-là. Par exemple, la FEC, à travers la commission PME, accompagne des jeunes qui œuvrent déjà en subvention. Je pense que ça va de 5 000 à 10 000 $. Vous avez par exemple COPA. C'est aussi... Dans COPA, on n'a pas accompagné que des gens qui avaient des idées. Il y a FOGEC aussi depuis un moment donné. Oui, mais FOGEC, la mission de FOGEC, globalement, c'est plutôt d'être là comme fonds de garantie. C'est-à-dire que quand vous allez demander un prêt, on va vous dire, oui, mais qu'est-ce qui, au cas où vous ne remboursez pas cet argent, qu'est-ce qui garantit? Alors c'est là que la FOGEC arrive pour dire, moi, au cas où l'entrepreneur ne rembourse pas, moi je me porte garant pour rembourser. Okay. C'est ça un peu le rôle de la FOGEC. Mais à ces jours, en voyant la création du ministère de l'entrepreneuriat pour le jeune entrepreneur, ils se sont dit, ah ouf, un ouf de soulagement, mais à ces jours, on va dire que ça n'a pas apporté les solutions attendues. Oui, non, ça n'a pas apporté les solutions attendues. Et honnêtement, c'est difficile que ça apporte les solutions attendues. Comment ça? Parce qu'en fait, le problème est tellement structurel. Il suffit de regarder acteur par acteur. Déjà, la conception que nous avons, nous, jeunes entrepreneurs, de l'entrepreneuriat n'est pas forcément la bonne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle d'entrepreneuriat, on parle souvent start-up. Ah, il faut être dans la tech. Pour créer une application, pour faire ceci. On n'a pas l'idée de vendre du condo au marché, mais de la meilleure des manières, ce n'est pas de l'entrepreneuriat. Vous voyez un peu, déjà ça pose un problème. Ensuite, on a les acteurs eux-mêmes.
quand vous avez les banques, vous regardez leur passif, okay, au niveau du bilan, vous regardez le passif, vous vous rendez compte que la plupart des fonds qu'ils ont, ce sont des fonds à très court terme. Quand je dis court terme, c'est des fonds qui peuvent être là juste 30 jours, 40 jours, 80 jours. C'est des fonds à très court terme. Donc comment, avec ces fonds à court terme, ils peuvent se permettre de financer des gens qui ont des besoins à long terme? Parce que lorsqu'on crée une entreprise, on a peut-être besoin d'équipement, on a besoin d'acheter un matériel de transport et nombre de choses qui restent dans le bilan pendant 5 ans, pendant 10 ans. Et comment financer ça avec des ressources à court terme? Il y a un problème très sérieux à adresser acteur par acteur. Avec ces structurations, pensez-vous ou voyez-vous la pensée du chef de l'État de créer des entrepreneurs, de créer des millionnaires congolais? Voyez-vous cette pensée-là se concrétiser? Je pense que c'est possible. Avec une telle structuration? Avec une telle structuration, c'est possible si les politiques vont dans le sens d'encourager les PME qui existent déjà et qui vont, par effet d'entraînement, avoir tous les autres. Je vous donne un exemple très simple. Admettons que l'État congolais a besoin de construire des logements, okay, pour un montant de 10 millions de dollars. Plutôt que de faire appel à un sujet étranger ou à une grosse structure, je ne sais pas pourquoi, ils peuvent parler à différents cabinets qui existent, qui appartiennent justement, qui sont des PME, ils peuvent se constituer un consortium, ils adressent ce marché. Rien qu'en ayant ce marché, ben, ils auront aussi de la main-d'œuvre congolaise, ils auront aussi des sous-traitants congolais et ainsi de suite. Donc c'est-à-dire que des gens peuvent créer des business parce qu'il y a un marché public qui est derrière, qui attire tout le monde, qui drive tout le monde, comme on le dirait. Donc ça, ce sont des gens, des mécanismes qui peuvent aider. Et grâce à ça, grâce à ce marché, grâce au paiement que la RDC pourrait faire, l'État congolais pourrait faire, on peut aller voir une banque pour dire, ben voilà, j'ai besoin de tant d'argent, voici le contrat qui me sécurise, donnez-moi de l'argent par rapport à ça. Donc c'est tout ce système. Déjà, ce genre de marché n'est pas prenable pour les jeunes entrepreneurs. Vous allez voir que lors des appels d'offres pour payer, par exemple, un cahier des charges pour les architectes, c'est des ordres dans un prix exorbitant. Tu n'as pas encore le marché. Qu'est-ce qui te garantit que tu pourras gagner ou tenter de payer les cahiers des charges avant ce marché? C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous devons, à mon avis, réfléchir, penser l'entrepreneuriat comme une œuvre qui se fait ensemble. Nous devons toujours avoir en tête que nous devons mutualiser, se serrer les coudes, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 100 cabinets, ton cabinet, mon cabinet, etc., on peut voir dans quelle mesure on peut se mettre ensemble. On peut se concilier, on peut faire un consortium, on peut faire une entreprise unique qui va nous permettre justement de réussir à avoir ce type de marché. Parce qu'en réalité, quand on est petit, mieux vaut se mettre ensemble. Peut-être à la fin, quand chacun fera un milliard, ben, on pourra se séparer, mais pour le moment, on est obligé de faire ce genre de deal ensemble. Voyez-vous, est-ce que l'État a un œil regardant dans ce secteur? Oui, l'État a un œil regardant parce que forcément, il y a le ministère qui est là, qui tente avec les moyens de bord. Ce n'est pas toujours évident. Vous savez que nous avons une guerre à l'Est qui, d'après les propos du ministre, ponctionne énormément d'argent de l'État. Il a un œil dedans, mais il faut comprendre que le ministère ou bien l'État fait des choses, mais avec des moyens limités. Il faut regarder aussi l'autre versant. Nous aussi, en tant qu'entrepreneurs, nous avons aussi un rôle à jouer. Comment aujourd'hui nous définissons? Comment aujourd'hui nous faisons des produits qui plaisent à nos clients? Comment aujourd'hui on gère correctement nos entreprises? Comment aujourd'hui on peut arriver à faire du lobbying auprès des acteurs existants pour avoir un peu plus de cash pour du financement pour qu'on le considère? Comment aujourd'hui intégrer des structures patronales de taille comme la FEC? D'ailleurs, ce n'est pas compliqué, vous avez une entreprise, vous pouvez adhérer à la FEC rapidement, pour nous permettre de parler d'une seule voix et de réussir à imposer nos agendas aussi. Mais si on continue à être dispersé, ça ne va pas nous permettre d'arriver à nos objectifs. Donc, nous avons aussi, nous, un rôle à jouer. Et moi, je reste optimiste. Si je n'étais pas optimiste, j'irais construire une entreprise, je ne sais pas, au Kenya, ou à Londres, je ne sais pas. Bon, rester optimiste, oui, mais dans la concrétisation. Dans la concrétisation, on va dire que ça tarde un peu. Est-ce que ceux-là qui chapeautent ces ministères de l'entrepreneuriat sont de personnes habilitées, eux-mêmes sont entrepreneurs, ou c'est juste X ou Y personnes qui zigzaguent un peu dans l'accompagnement ou même dans cet exercice? Après, bon, moi personnellement, je ne connais pas très bien les animateurs. C'est vrai que dans le cadre des fonctions que nous avons à la FEC, il nous arrive d'échanger avec eux, mais je ne connais pas très bien les animateurs. Mais tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut comprendre que le rôle d'un ministère, c'est un rôle structurel. C'est de mettre en place des politiques. Et par définition, structurel ne rime pas avec court terme. Donc ça veut dire que vous allez prendre un arrêté maintenant, vous allez décider des choses, et vous allez ressentir les effets après 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Aujourd'hui, nous devons reconnaître quand même que voilà, il y a
je pense, une loi, la Startup Act, qui est là justement pour permettre aux jeunes entrepreneurs d'avoir des sociétés solides, de bénéficier d'un certain nombre d'avantages. Et on verra les effets de cette loi, pas maintenant, ça sera peut-être dans 2-3 ans. Donc, c'est tout ça en fait, c'est le problème du côté ministère. Mais maintenant, nous en tant qu'entrepreneurs, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que là, au moins, c'est là où on a un minimum de contrôle. Comment on fait aujourd'hui pour lever des fonds de manière alternative? Comment on fait aujourd'hui pour faire du crowdfunding, par exemple, pour trouver les financements dont nous avons besoin? Comment on fait aujourd'hui pour faire des consortiums, pour aller adresser des marchés que nous ne pourrions pas arriver à adresser seuls? Comment on fait aujourd'hui pour proposer aux différentes autorités publiques de mettre en place, de publier avec toute transparence les marchés publics? Ouais, c'est un ensemble d'éléments que nous, on peut faire en tant qu'entrepreneur à notre niveau. Puis laisser ou impulser pour que les gens se fassent. Bon, faisons quoi concrètement? Parce que vous pouvez dire, bon, les jeunes, oui. Les gens en parlant, on va dire que vous êtes entrepreneur sugar daddy. Non, moi j'ai moins de 35 ans. Non, en termes d'expérience par rapport à ceux-là qui viennent de débuter, oui. Dans ce sens-là, si vous devez les accompagner, en termes concrets, comment vous pouvez faire? Alors, à la FEC, toutes les personnes qui ont des business, toutes les personnes qui ont une entreprise formelle peuvent être accompagnées. Au niveau de la Commission nationale jeunes entrepreneurs, on accompagne tous ceux qui ont une entreprise pour les aider soit à aller jusqu'à la formation, jusqu'à adhérer à la FEC. Et quand vous intégrez la FEC, forcément c'est une grosse machine. Nous portons les problématiques des jeunes entrepreneurs auprès de l'État, auprès des différentes autorités, que ce soit le guichet unique, que ce soit le ministère, ainsi de suite, pour porter les voix. Donc déjà, c'est de nous mettre ensemble sous une bannière. Heureusement, aujourd'hui, il y a plusieurs associations, il y a plusieurs incubateurs, donc on peut se mettre ensemble, intégrer l'écosystème pour qu'on avance. Maintenant, nous devons aussi nous dire les choses. Cet entrepreneuriat sans chiffre d'affaires, ça n'existe pas. Ce n'est pas parce qu'on écrit sur les réseaux sociaux que je suis entrepreneur qu'on l'est réellement. L'entrepreneuriat, c'est des clients, c'est des produits, c'est des difficultés, c'est être sur le terrain. Et c'est pas tout le monde. Oui, c'est bien forcément. Donc, ce n'est pas tout le monde qui l'est. Mais à ceux qui le sont, il faut qu'on trouve le moyen de se mettre ensemble sous une bannière. Ça peut être la Commission nationale des entrepreneurs, ça peut être une autre bannière pour nous permettre d'avancer vers nos objectifs. Est-ce que c'est les entrepreneurs congolais sont identifiés? Parce qu'à ces jours, je vois ces vents-là, cet éveil-là, c'est tout le monde qui est entrepreneur. Tantôt à gauche, tantôt à droite, sur LinkedIn, n'en parlons même pas. Est-ce que les entrepreneurs congolais sont identifiés? Pas tous, mais tous les entrepreneurs qui ont une entreprise formalisée sont identifiés. Parce que quand vous créez votre entreprise, bon, vous allez aller auprès du guichet unique, vous aurez le RCCM, vous aurez l'identité nationale qui dépend du ministère de l'économie, vous aurez le numéro d'impôt qui dépend de la DGI. Forcément, vous êtes identifié. D'ailleurs, quand on vous délivre votre numéro d'impôt, on vous donne même le centre d'impôt synthétique où vous devez aller. Parce qu'en fonction de la taille de votre entreprise, vous n'allez pas directement aller à Bombay. Vous pouvez aller, il y a des directions qui sont détachées, on vous connaît. Donc forcément, tous ceux qui ont un business réel sont connus. Bon, maintenant, les autres qui chantent, qui disent je sais pas quoi. Alors, c'est là qu'ils sont couverts par des incubateurs? Oui, ceux qui sont incubés, ils sont identifiés aussi? Oui, ils sont identifiés, mais pas par l'État directement. C'est l'incubateur qui est connu. Parce que l'incubateur, c'est quoi? C'est comme une maman poule. Ouais. Il y a des œufs. On ne connaît pas les œufs. Hein? On ne connaît pas l'œuf dur en ce moment-là. On va connaître lorsque l'œuf va éclore, l'entreprise va sortir et que va se faire affilier. Alors là, elle sera identifiée auprès de l'État, etc. Alors aujourd'hui, comment expliquer la difficulté de ces jeunes entrepreneurs de recevoir de financement? Est-ce parce qu'à ces jours, nous avons des entrepreneurs par opportunité? Qu'est-ce qui se passe exactement? Bon, je pense qu'on n'a pas été formé à ça. On doit quand même se dire, si on doit se dire les choses, on n'a pas été formé à ça. Combien d'entrepreneurs sont déjà allés faire la démarche d'aller auprès de la banque pour demander quand même un crédit, pour demander ne fût-ce que quelles sont les conditions? Parce qu'on le dit souvent, voilà, on n'a pas l'info, il y a ceci, il y a ceci. Mais combien font cet effort-là? Combien sont allés chercher des fonds d'investissement? Combien sont allés postuler à la COPA? Combien s'informent sur les différentes opportunités qu'il y a d'obtenir des subventions? Donc nous avons, nous, un rôle à faire, à aller vers la formation. Ensuite, nous devons aussi aller vers de la formation. Comment aujourd'hui on gère une trésorerie? Comment aujourd'hui on fait un minimum de comptabilité? Ce sont des éléments importants parce que vous allez voir un financier, il doit vous financer, il vous demandera. Vous avez réalisé combien de chiffres d'affaires les 3 derniers mois? Il y a des gens qui ne sont pas en mesure de vous répondre. Donc ça, c'est déjà notre faute. Ça, c'est déjà notre souci. Mais maintenant, il y a aussi le problème justement de l'autorité
qui doit mettre en place le climat qui va permettre à ce que les gens viennent mettre. Donc cette responsabilité, elle est partagée. Elle est partagée entre tous les acteurs de l'écosystème entrepreneurial et surveillance. Tous les acteurs ont un bout de responsabilité. Est-ce que l'État n'en fait pas de trop dans le sens où il délivre le document à qui en a besoin, dans le sens où la personne paye tout simplement, en lieu place de vraiment en lieu place de vraiment suivre, est-ce que cette personne est habilitée à entreprendre? Après, je pense que le droit à partir du moment où on n'est pas frappé d'inéligibilité, peut-être on a commis une grosse bêtise de gestion quelque part, tout le monde est en mesure de lancer son business. Même la maman du coin, qui n'a peut-être pas étudié, peut lancer son business et avancer. Maintenant, c'est à chacun de faire d'avoir son rôle, quoi, de se former, d'apprendre et d'avancer. Moi aussi, on devrait laisser à chacun le libre choix de se former à sa manière. Ne voyez-vous pas qu'il y aura une poubelle, permettez-moi les termes des entrepreneurs? Parce qu'à ces jours, il y a ceux-là qui ne sont pas formés et qui se disent entrepreneurs et qui créent un engouement du désordre, si on peut le dire ainsi. Moi, je peux te dire que ce n'est pas mauvais parce que le marché a une règle très simple, c'est la loi du plus fort. Les faibles meurent, les forts survivent. C'est comme ça. Vous lancez votre business, vous ne réussissez pas à faire correctement les choses. À un moment donné, vous allez faire faillite et vous allez disparaître. Parce que l'entrepreneuriat, vous ne faites pas ça avec de l'argent qui tombe du ciel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez peut-être vos économies, vous avez peut-être papa, maman qui ont soutenu, vous avez peut-être des personnes qui vous ont fait confiance. Et si l'entreprise ne marche pas, les personnes vont retirer leurs capitaux et vous allez faire faillite. Et c'est ce qui fait qu'à terme, c'est seules les entreprises fortes qui existent. Et aujourd'hui, regardez les statistiques mondiales. Même ailleurs, la plupart des boîtes ne font pas 5 ans. 10%, je pense, ou 10 ou 5%, ou voire 1% des entreprises qui se créent aujourd'hui vont survivre à leur cinquième année. Ça, c'est dans le monde. Maintenant, imaginons, on est à DC. Je ne sais pas si on est à Copia. Alors, nous parlons ici d'accès au financement. Il y a des étrangers, des organisations qui mettent le fonds à la disponibilité des entrepreneurs. Et qu'est-ce qui fait qu'à ces jours, il y a même des fonds qui retournent? Donc, bon, vous voyez, les entrepreneurs, bah, évitent. C'est ça le problème encore de l'information, justement. C'est de se dire comment on s'assure que l'information circule. La responsabilité de l'investisseur, c'est de mettre l'argent sur la table. La responsabilité est de dire j'ai mis l'argent sur la table. Mais ce n'est pas à lui de créer une plateforme de je ne sais pas comment pour que tout le monde voit. C'est aussi à nous en tant que. À vous ou à l'État ou peut-être au ministère de l'Entrepreneuriat. Ministère de l'Entrepreneuriat, mais avant tout ça, vous savez, le premier concerné, c'est d'abord l'entrepreneur. Aujourd'hui, que l'État s'intéresse à nous ou pas, nous sommes les premiers concernés parce que nous vivons la réalité de ce qui se passe. Donc en tant que premier concerné, nous devons avoir la latitude de se débrouiller pour que l'information nous arrive c'est à nous. C'est super intuitif. Bon, je suis à la maison, je suis jeune entrepreneur et ouf, il y a l'argent sur la table. Bon, comment j'ai fait pour adhérer à cette information-là alors que peut-être c'est en huis clos? Bon, ça atterrit à la FEC. Moi, je suis par exemple couvert par un incubateur quelconque. Comment j'ai fait pour m'informer directement? Parce qu'à ces jours, il y a plusieurs voix qui s'élèvent pour dire que non, les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs ne cherchent pas à s'informer, ceci, c'est là. Mais comment quand l'information est dans des carcans qui ne peut pas sortir, par exemple? Je mentirais si je disais que toutes les informations sont disponibles facilement. Mais je mentirais aussi si je disais que les informations sont très lointaines. La réalité, c'est que aujourd'hui, les bailleurs sont connus. Vous avez les grandes organisations, vous avez l'USAID, vous avez tellement d'organisations qui font des programmes. Vous allez sur Internet, vous tapez subvention, vous tapez financement entrepreneur RDC. Chaque jour, mais l'information, il faut la chercher. C'est comme Oval, quand on était à l'école. À l'école, on mettait un communiqué Oval. Il fallait faire l'effort d'aller devant les valves pour aller voir l'information. Maintenant, faire partie d'une superstructure comme un incubateur, comme une organisation patronale, vous permet d'avoir des informations. Je vous informe qu'à la FEC, par exemple, tous les jours ou toutes les semaines, on nous envoie des informations par mail. Toutes les informations, que ce soit sur des financements, des opportunités. Et vous, à votre tour, vous les partagez? Il faut faire partie de la FEC. Vous les gardez pour vous seulement? C'est pas du bénévolat, il faut faire partie de la FEC. Mais comme vous voulez, bon, comment ceux-là viendront? Il faudrait leur en faire part.
Non, mais on le dit. L'AFEC, de toute façon, ce n'est pas... J'insiste, l'AFEC, c'est la Fédération des entreprises du Congo. Mmh. Ça veut dire qu'il faut être une entreprise. Est-ce que vous êtes une entreprise? Petite ou grande, mais être une petite, entreprise. Petite, micro, tout ce que vous voulez, ouais. Mais est-ce que vous êtes une entreprise formalisée? Si vous êtes une entreprise, vous fonctionnez, mais pas encore formalisée, on peut vous aider à vous formaliser. Mais vous vous formalisez, vous rejoignez l'AFEC et vous bénéficiez de tous les avantages okay. qu'il y a au sein de l'AFEC, dont l'information. Maintenant, il faut aussi dire, vous remarquerez, que l'AFEC organise, je vous ai dit, la partie PME, la commission PME organise aujourd'hui un concours qui est disponible à tout le monde. Que vous soyez de l'AFEC ou pas de l'AFEC, tant que vous êtes une entreprise en RD Congo, vous pouvez soumissionner pour participer à ce concours et gagner, je pense, jusqu'à 10 000 dollars. Est-ce qu'on n'en fait pas déjà assez? Maintenant, à chacun, selon l'entreprise qu'il a, de venir, de s'approcher. Et il n'y a pas que l'AFEC. Je ne vais pas être prêché ici pour ma propre chapelle, mais il n'y a pas que l'AFEC. Il y a des incubateurs, il y a tellement de choses dans lesquelles les gens peuvent souscrire, intégrer pour avancer. Y a-t-il des outils de financement qui peuvent accompagner ces entrepreneurs? Oui, si vous faites partie, par exemple, d'un incubateur, chaque incubateur a généralement un petit programme pour les investisseurs qui sont intéressés à investir dans les PME qui les accompagnent. Donc, si vous faites partie d'un incubateur ou si vous faites partie d'une superstructure ou vous vous faites accompagner par une boîte comme Betrugo par exemple, on va vous aider à faire le suivi de l'investissement ou de la gestion de fonds que vous avez. Alors, monsieur Christopher Mokoka, l'émission touche à sa fin. Vous êtes entrepreneur sugar daddy, si on peut le dire. Ainsi, bon, vous avez déjà de l'expérience dans ces secteurs, si on peut le dire ainsi. Très jeune. J'ai même moins de 30 ans comme ça. Ok, vous avez moins de 35 ans. D'accord. Alors, si vous devrez proposer, que proposez-vous en termes d'alternatives à ces problèmes récurrents en ce qui concerne les financements dans le secteur de l'entreprise? Alors moi je pense qu'en tant qu'entrepreneur, la première des choses c'est de maximiser la love money. Nous ne pouvons pas négliger le fait que tout autour de nous il y a des personnes qui nous aiment, tout autour de nous nous avons des amis, nous avons un petit réseau que nous pouvons mobiliser pour investir dans nos projets. Il ne faut pas négliger ça. Deuxième chose, il ne faut pas négliger le fait d'aller demander du financement auprès des banques. C'est vrai que ce n'est pas facile. C'est vrai que les conditions ne peuvent pas permettre à tout le monde d'y être, mais vous ne saurez pas si vous êtes dans les conditions ou pas, à moins d'y aller. Troisième élément, nous devons travailler à ce que nos états financiers, nos chiffres clés, puissent être suffisamment structurés. On ne peut pas aujourd'hui avoir un investisseur qui vient et qui nous pose la question, c'était quoi votre chiffre d'affaires des trois derniers mois, et dire, je ne sais pas, ce n'est pas possible. Nous devons faire aussi un effort à ce niveau-là. Ça, c'est notre part de marché. Et le quatrième élément, c'est le lobbying. Pousser les autorités publiques, pousser les acteurs qui sont censés financer à nous regarder et à comprendre que nous sommes des hommes d'affaires comme les autres. Moi, je n'aime pas ce carcan de... Honnêtement, je n'aime pas trop. Jeune entrepreneur, machin, PME. Entrepreneur tout court. Je suis entrepreneur tout court. Je suis un homme d'affaires au même titre que celui qui a 50 ans, 60 ans. Nous faisons des affaires. Je ne suis pas un mendiant. Je ne demande pas de l'aide ou quoi. Je demande à être considéré comme un entrepreneur, comme un homme d'affaires qualifié. C'est tout. Merci Monsieur Christopher Mokoka d'avoir répondu présent, enfin d'avoir répondu à nos questions parce que ici je rappelle encore que nous sommes reçus au restaurant Coucou de Monsieur Christopher Mokoka pour réaliser cette émission Actu Business. Madame, Messieurs, c'en est fini pour cette émission. Le bon de choses n'est dur presque jamais. Comme vous, nous venons là d'être parfumés par l'accès au financement, nous avons eu à relever plusieurs causes, mais en dehors de tout cela, il faudrait responsabiliser ou dans le sens de plus privilégier les loving money, comme vient de le dire M. Christopher Mokoka, essayer de rechercher l'information. Ne vous limitez pas à la maison en disant non, moi je cherche du financement, je n'en trouve pas. Est-ce que déjà Beta tourne à banque, Kende Koyeba, comment ça se passe exactement? Quel est le critérium établi afin d'avoir un financement? Ce n'est qu'ainsi que vous pourriez faire un pas et avoir ces financements et vous stabiliser. Quant à moi, je vous dis merci pour ce qu'a été cette émission. Retrouvons-nous prochainement avec le même plaisir. Ciao.